Bonjour à tous, mon nom est Jay Sigouin, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on a un petit spécial Keb, on passe en revue la pédale de fuzz Fuckface de Guptek. Juste avant de continuer, j'aimerais remercier grandement mon chum Olivier Savoie Campo qui nous a prêté ses drums pour cette intro. Il joue super bien, il accompagne plein d'artistes au Québec, genre vraiment plein. Allez visiter sa page YouTube, allez voir son Instagram, il est ultra actif, il est super prolifique. Aussi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, laisser un j'aime, un commentaire, c'est toujours super apprécié. C'est le mot du jour, supra, en tout cas. Donc, c'est quoi la fuckface? La fuckface, c'est un fuzz de type fuzzface, vous l'avez deviné, fuckface, fuzzface. Mais c'est une version un petit peu modernisée qui est faite au Québec parce que Guptek font des pédales dans le bout du Saguenay et on aime ça. Je fais pas vraiment de démo de pédales en soi de grandes compagnies. Ça me fait énormément plaisir, par contre, d'en faire pour une compagnie québécoise que je trouve qu'ils font vraiment du bon stock. Puis ils sont, eux aussi, vraiment prolifiques. C'est impressionnant la tonne de pédales qu'ils sont capables de produire. Puis c'est vraiment tout bon. C'est vraiment tout le fun. Fait que pour le besoin de la cause, j'ai placé mon ampli. Je vais vous mettre une belle photo juste ici. De mes settings, je suis allé avec quelque chose de déjà assez sale. Ça n'a pas beaucoup de fuzz en soi, une fuzz face, dans le sens que c'est fait pour être joué avec quelque chose de déjà un peu overdrivé. Ce qui est le fun, c'est qu'on a les deux boutons principaux, c'est-à-dire le volume et le fuzz. Mais, étant donné que c'est un fuzz germanium, on a l'option aussi, le troisième bouton, c'est vraiment un bias. J'ai aucune idée de quoi en français, un bias. Pour pouvoir, ou en tout cas déformer le germanium. Je peux pas en parler, je suis vraiment pas calé en techno, là, mais vous allez l'entendre. Commençons de ce pas, un son vaut mille mots. Je voulais mon son de source clean. Et là. C'est ultra gras, ultra saturé, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'ils font ces boutons-là? Évidemment, là on va passer vite fait, il y a trop de boutons de toute façon. Fait qu'on a le volume, évidemment, parce que... Et vous allez voir que, si je reviens à mon volume normal... Le volume a une incidence sur le taux de fuzz qu'on va avoir. Faut quand même le mettre assez haut. Si on le met ici à la place. Là, je suis en bas du Unity Gain. J'ai aucune dégoûte, c'est quoi en français, le Unity Gain? Ensuite, le bouton de fuzz, ça amène le fuzz, cul. Normal. Ça me monte ici à peu près. Comme une vraie fuzz face, il n'y a pas tant de jus dans une vraie fuzz face. Il faut quand même le monter. Là, on arrive vraiment dans un territoire qui est ultra satisfaisant. Puis, la beauté de la chose avec ça,
Étant donné que c'est beaucoup de phases, on tire le volume. Ultra cool quand on baisse le volume. Pour moi, c'est toujours un gage de qualité quand on baisse le volume. Puis pour tout ce qui est overdrive, puis phase et compagnie, c'est le fun d'avoir du contrôle avec son volume. Ce qui est rendu là, c'est juste une pédale presque d'overdrive. Je mets des grosses parenthèses. Ça, bon, ok, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, là, mais c'est franchement deux pitons assez standards. Le troisième, par contre, est vraiment intéressant, où est-ce que c'est un bias. Puis pour moi, étant donné que j'ai aucun terme technique d'électronique ou whatsoever, voici comment je le vois. Je le vois comme un tighter, parce que là, il est complètement au début. Vous allez voir à quel point, en l'amenant plus haut, ça fait juste vraiment salir le signal, puis on aime vraiment ça, parce que j'aime les trucs simples dans la vie, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là, puis que j'ai décidé d'en faire un démo, autre que le nom, parce que le nom est juste complètement génial. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est ultra simple à cause qu'on a volume phase. Par contre, on a le choix d'avoir une petite option de plus, c'est que l'option on a sur le taux de crasse. Fait que, ici on est au début. C'est comme la version solide, si on veut, de la pédale. Et plus qu'on va l'amener vers... Ben plus qu'on va l'élever, dans le fond, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus crasse, de plus en plus vraiment crémeux. Et si on monte le fuzz dans le tapis? C'est que là, c'est le fun, parce que j'ai l'option de mettre mon ampli vraiment sale à la base. Parce que dans l'art de Hendrix, les phosphates, c'est fait pour rentrer dans un ampli qui est déjà crinqué. Je suis bien au courant que dans la vie, on utilise souvent des amplis vraiment clean pour avoir des belles plateformes de pédales. Et peut-être que là, vous allez voir, je vais mettre mon ampli clean comme je le mets habituellement. Très normal, très clean. Vous allez voir que il y a moins de punch si notre ampli est pas déjà overdrivé. Ça punch déjà beaucoup moins. Si on monte le fuzz, il faut quand même le monter presque au bout pour vraiment avoir du kick. C'est pas désastreux, mais ça a vraiment moins de gras puis moins de fuzz que ce qu'on aimerait peut-être avoir. Et il y a une solution à ça, mettez un overdrive. Wow. Alors là, j'ai ajouté ici la Queen of Crow de Guptech, qui est ma pédale préférée de toute leur série. Et donc, si je reviens à quelque chose de clean, encore sur mon humbucker. Je vais mettre juste un petit peu d'overdrive. On va voir ce que ça fait avec la pédale. Mmh.
Je reviens. Juste la phase. Il y a quelque chose de moins satisfaisant que de simuler un ampli quinqué après. Puis, tu sais, ce que j'ai là, dans la Queen of Crow en ce moment, ou comme on l'appelle communément, la coque. C'est pas beaucoup d'overdrive. Je vais racheter l'autre côté, en plus. Ça va donner vraiment plus d'overdrive. On revient peut-être à quelque chose de plus similaire que j'avais placé sur l'ampli tantôt. Et là, si on la met... Et là, on peut y aller plus sale. Fait qu'on a vraiment beaucoup de jeu avec cette pédale-là. Si vous avez des amplis clean, faites juste prendre une overdrive que vous avez. Ça peut être n'importe quel overdrive qui va après votre fuzz, puis vous allez avoir plein de jeux avec. C'est vraiment des heures de plaisir, puis peut-être de sacrage, ça dépend. Là. Anyway, merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'était la Fuckface de Goptech. Je vous invite à aller voir leur site internet, je vais le mettre en lien. Ils font plein de belles pédales, toutes faites à la main. C'est toutes faites au Québec. Encouragez ça, c'est important. Fait que c'est tout, voilà. On se revoit dans d'autres vidéos. Allez-y en paix. Bye bye.